Salut à tous, c'est Arkenke, et bienvenue sur Mario Maker. Alors après moult 50 minutes pour trouver comment on fait ce niveau, j'ai réussi à le faire. Donc j'ai pris un niveau à 300 pièces pour continuer le mode aventure et qui sera sûrement l'épisode final. Mais j'ai mis 15 plombes à comprendre les trois quarts des défis dans ce... Voilà, c'est un niveau puzzle, hein, donc c'est le niveau que j'y arrive le moins. Mais bon, globalement, c'est surtout le dernier en fait que j'en ai chié. En fait, c'est tellement débile quand tu comprends. D'ailleurs, celui-là aussi, j'avais mis 5 minutes. Je pense que le timing était léger. Mais vous allez voir, c'est globalement, ça se fait bien. Donc là, en mettant la pierre ici, ça me permet de bloquer les 8 balles qui arrivent. Là, on prend celui-là. On se casse vite avant que voilà, l'autre y tire. Ah, donc celui-là, j'ai pas eu de soucis. Hein. Pas vraiment, j'ai pas mis longtemps. Même si je suis mort quasiment partout. Celui-là, au début, j'ai tiré les Koopas, je comprenais pas, je me suis fait tuer par un autre Koopa, donc voilà. Mais globalement, celui-là, il est simple à comprendre. Il faut juste tirer comme ça. C'est pour ça que je vous le dis hein, quand même que je le fais, et je l'ai fait avant, parce que, en fait... Alors celui-là, j'ai mis un petit peu du temps à comprendre. En fait, c'est assez logique. Il tape trop bas pour casser les trucs. Là, on va comme ça. Voilà, donc ça, j'ai... En fait, au début, je comprenais pas trop comment il fallait le faire pour le pousser vers le haut. Et en fait, avec les notes de musique, c'est tellement logique. Et celui-là, vous allez voir, il est pas... Voilà, bon, quand ça veut marcher. Alors moi au début j'ai tout essayé d'aller dans la pince, de me balancer pour éviter de prendre les pics, mais globalement je me faisais dérouiller. En fait vous allez voir. C'est assez logique. Voilà, donc après on se tire, on prend la pierre parce qu'il faut qu'on finisse avec la pierre. Ouais, ça on peut le faire à la limite. Hein. Donc bien sûr, comme voilà, rappel de l'épisode précédent, il faut qu'on finisse les vitres en fait du château. Ah, je peux plus. Ah, je peux. Merveilleux. 1, 2, 3. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment le dernier là qui m'a fait réfléchir. J'ai tout essayé alors que je pensais que ça lâcherait le bloc. Mais en fait, quand t'arrives par-dessus, ça le lâche pas. Voilà, vous le saurez. C'est vraiment... Ouais, c'est ce que je dis, hein, ce mode aventure, il est bien pour ça. Permet de vraiment comprendre le gameplay des fois, parce que c'est bien de te l'expliquer, mais le montrer c'est toujours mieux. Comme tout, hein. C'est des trucs, on va te les expliquer, tu vas rien piger, par contre dès qu'on te le montre... barrage de bloops, arriver, atteindre l'arrivée en ayant vaincu tous les bloops, ça va être de la merde, sauf si on donne des boules de feu. T'as la cape, là, ici. C'est pas le plus compliqué. Voilà, c'est plus le genre de niveau qui te montre bref, la faible gravité. Vaincre des bloops, c'est chiant, mais avec la faible gravité et une cape, c'est juste royal. Là, qui tu. Un mage pas comme les autres. Gardé par une armée de la qui tu ferait un miracle pour réussir à la traverser. Ah, d'accord. Donc, en gros, je vais juste me faire bombarder la gueule. Mais bon, on entend la mal quand tu bottes un. Alors, bon, on va voir si Nintendo ils ont été sympas ou quoi. Mais normalement, le la qui tu. Ouais, je suis baisé.
Le pow. Mais il balance des pow. Mais c'est des vrais lactitus, hein. Par contre, c'est bien, c'est intelligent. Le... Bon, après, là, c'est parce qu'il balance des pow, du coup. Mais. Ouais, enfin, ouais, tu me diras, ça passe pas à travers, donc finalement, ça me ferait rien, quoi. Ah, d'accord, c'est j'aime pas les niveaux à scroll à défilement auto parce que. Ah, vous voyez comme ça là, parce que. T'es obligé à attendre. Et je suis pas habitué à attendre. Ce que je disais, c'est même dans les speedruns, c'est mon problème. Faut pas que ça s'arrête sinon. Ah oui, d'accord. Je suis trop pressé, je suis trop pressé. Vous voyez, là, je suis quasiment... Faut jamais que je sois complètement à droite. Ouais, regardez, si je suis pas carrément à droite, normalement, c'est safe. Ah, donc le seul moyen de tuer les fleurs noires, c'est le pow. Bien. Un marteau, pourquoi pas? Eh oui, la gourmandise. Il y a un checkpoint, non? Ah ouais, heureusement. Ouais, comment ça se fait que tout à l'heure je l'ai pas vu la pièce de 10? Ah, je me mets là, comme ça les frères marteaux sont moins dangereux. J'essaie de temporiser, j'ai dit je vais pas sauter dessus, je vais le tuer. Ah oh, putain dommage, non non. Ah non pas ça. J'ai oublié de recommencer dès le début. Putain mais je suis nul, sérieusement, ça m'énerve. J'adore ce jeu, mais alors qu'est-ce que je suis mauvais? Non non non. Vous avez vu, c'est l'habitude d'y aller toujours en courant. C'est impressionnant quoi. Alors que c'est le genre de niveau, tu prends ton temps, tu le finis first try quoi. D'un coup là c'est un peu dommage. Mais bon. C'est dangereux ce que j'ai tenté hein, mais...
La safitude et le niveau est fini juste là, je le sentais bien. C'est sûr. Ah, il me manque encore 50 balles. Lancer des bonbons pour collecter des pièces. Ah, il faut qu'on... 1, 2, 3. Ah, dommage. Ça t'apprendra. Saloperie. Ah bon, celui-là. Merde. J'aime bien du moment que t'as les 50 pièces, accélération du niveau. Après, le niveau est toujours très très large là. Au niveau des pièces là, ils sont toujours assez larges à ce niveau-là. La musique a accéléré. Oh, mais il me manque tellement d'émissions. Je ne ferai peut-être pas toutes les missions, toutes les quêtes avec vous. Hein. Moi, je finirai de mon côté. On va faire au moins le mode solo. C'est trop long. On a ramassé au moins 80 pièces. Pipi. J'aurais percuté plus vite, j'avais fini. Bon, ce niveau, je l'avais vu aussi. Si je rate les pièces de 10, c'est mort. Ah oui, la pièce de 50, c'est bien de le tenter, mais pas trop quoi. Ok, on va pas le tenter. Et oui, parce que le POW défonce tout, c'est pour ça.
Ouais, mais là, sans avoir pris celle-là. De toute façon, je crois que j'avais perdu. Le niveau est pas compliqué, mais je n'y arrive pas. Ah là là. Le pire, à la limite, je peux essayer de le tirer là, lui. Et après, je me tire, mais ça se trouve, il y a 50 000 pièces derrière encore. On fait de la merde. Pense que ça passe. Pense que ça passe. Mais j'étais tellement étonné là que ça devait passer aussi. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. 50 pièces, c'est rigolo, mais j'en ai gagné pas mal là par contre. C'est vrai qu'un niveau qui te demande 80 pièces de base, ça va vite. Hein. Là, tout à l'heure, je suis mort, mais en plus, j'ai pris la 100. Ouais, là. Et du coup, ça fait un niveau à. Voilà, regardez, ça fait un bon niveau à 300 et quelques. On a 100. Allez, on ramasse les pièces. Il y a 100 pièces à ramasser, c'est bien pour la thune, c'est con, si j'aurais su, j'aurais dû regarder. Mario 3D World. Niveau sous l'eau. On est déjà 12. C'est beau, regardez. C'est beau 3D World parce qu'en fait... 3D World c'était même plus beau. Bah c'était pas tout à fait un Mario 2D de base donc. Donc au final le niveau travail artistique il était pas mal. Mais là du coup là ils l'ont refait à la façon Mario Maker. Bouh! Tellement double oups, il peut pas m'attaquer surtout. Encore une fleur, ouais. On va prendre ce tuyau là. On élimine la saloperie. Tac, 4 tonnes. Fleur. Thank you.
Nice, bien joué. Ça passe à travers, ça vient de nous le montrer, c'est cool. Alors. Tiens, hop. Ah oui, ouais, c'est vrai que les boules de feu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se. Ouais, à mon avis, c'était fait pour d'ailleurs. Merci. Et hop, le petit 110. Bon, bon. C'est marrant, ce petit effet sous l'eau. Alors, il fabrique des vitraux avec son marteau quand même. Hein. On va rien dire, hein, mais. 95, 97, 99, 100, je pense que ça va faire. Voici les missions que j'ai en caverne au tourbillon. Allez, on est là pour clear le solo. C'est pour ça qu'il y en a qui sont pleins du solo, c'est parce qu'il est long. Rien t'empêche de le faire tranquillement. Ah bah oui, ça c'est pareil, vous voyez, c'est tous des niveaux. C'est bien, ils ont chopé un peu toutes les difficultés qu'on nous ont montré les. J'ai pas besoin de thunes. Ah, ça c'est trop bien pour nous montrer cette mécanique de gameplay avec ces trucs là. Ah, donc, j'ai peut-être chopé la pièce, mais ça me gonfle. C'est bizarre parce que eux ils m'éjectent bien. D'accord, j'ai compris. Pff, j'ai de la chance. Pas de chance. Oh oui, oh le talent. Ouf. Le talent. Presque prévu. Non! Ah, je peux mourir en paix là. Mais oui, mais ça paraît tellement logique. Gueule. Ça paraît tellement logique. Ça, c'est bien ça comme idée. Et là, ça va leur donner des idées bien dégueulasses. Ah, pas voulu. D'accord, en fait, il faut faire exprès. D'accord, en fait, pas quelle tristesse. Tue-les. Thank you.
Oula, ah bah faut 10 quand même. Un 17, 96. 96. Forteresse volante, ça franchement, World aussi? Non, même pas, donc ça va. Je crois que c'est Mario 3, les forteresses volantes que j'aime pas. J'ai failli mourir, hein. Ah ouais. Saute pas, t'es safe en fait. Ah, pas où là, est-ce que j'ai fait une connerie de pas l'avoir pris? Comment? Non, c'est là que ça va juger. Alors, pièce de 30. Oh, ça se prend, hein, regardez. Oh, ça se prend pas. On a pas envie. On s'en fout aussi. Hein. On a envie d'aller vite. C'est la fin. Ça y est, elle est morte. Ah, un petit Bowser. Bowser chat, donc Mario 3D World. Administrateur. Ça y est, elle s'est fait enlever, donc cette fois c'est elle qui est pas au boulot. Alors, on utilise des catones. Ah oui, les frères marteaux, si tu les mets en rouge, ils lancent des boules de feu. Attention au dragon. Attention au gros moche. Merci, on va. J'ai failli lui foncer dedans, allez. Un peu con de mourir comme ça, mais alors on va essayer de tracer un peu le niveau. Hop, ça pourrait être peinard. Thank you.
Moi, où j'ai failli le battre à la main. Je sais pas si je peux le battre. Ça passe, ça passe, ça passe. Oui. Ils se sont éclatés en tout cas avec cet objet. Hein. D'accord, j'avais pas vu que la lave montait. Tu rates un saut, la lave elle te bouffe. Par contre, bon. Mais ouais, tant mieux qu'ils ont mis la montée de la lave parce que sinon, bon, après tu recommences quoi. Après, j'ai envie de dire, la voiture est peut-être un petit peu indispensable. Il y a des endroits où je pense qu'on peut faire des niveaux où la voiture elle est. Enfin, il n'y a pas de montée de lave par exemple, mais la voiture, vu que elle est au bout de trois conneries, elle casse. Et voilà, ça rangeait pour que les endroits soient impossibles à passer sans la bagnole. Ah ouais, ça le one shot. Bon. En bas ça, non? Attendez. C'est vrai que ça c'est des plateformes. Tant que je percute là-dessus, ça va. Vite. Ah, il est bien Bowser Chat pour une chose, c'est ça. Des pow jaunes. Donne-moi un pow. Cinquante balles. Dommage. Super, on a libéré la princesse. Cinquante balles, ça fait plaisir. L'heure pure, c'est pas trop tôt, je te donne une chandelle. Et voilà, le vitrail est terminé, c'est l'heure de l'inauguration.
Ah, parfait. 100%. Et là, le chien, pouf, recommence, ça t'apprendra. Vous avez tous du travail très dur. Ouais, ça va. Normal, mais c'est moi qui ramenais l'argent. Hein. Tu sais, je suis entrepreneur et j'ai de l'argent. Yes, je vais pécho! Et là, pouf. Ah, cool. Donc voilà, donc ouais, c'est bon, l'histoire, on va dire, hein. On a fait le château, basta. Ouais, on aura vu quelques niveaux, je vais pas faire tous les niveaux ouais, en vidéo parce que voilà. Je pense que là où vraiment le jeu est vraiment très intéressant, c'est ce qui va se passer après, justement, c'est les niveaux online hein, où le sel va être présent et tout. Mais bon. Donc, ouais, Koji Kondo qui avait fait les musiques, donc du coup, des nouveaux endroits et. De même du titre, hein, celle qu'on doit entendre, je me demande si c'est même pas lui. Voilà. Ah, ça c'est marrant par contre qu'on ils ont fait ça, parce que bon, il y a le nombre de pièces, tout ça. Et on voit que le. Comment ça s'appelle? Le timer il est à 150, donc ça veut dire que ça va bientôt s'arrêter. Bon, en temps normal pendant des séances de. Comment ça s'appelle? Écran de fin comme ça, on parle du jeu et tout, mais là c'est juste le mode solo de Mario Maker. C'est pas l'essentiel du jeu en fait. Donc, mais bon, le mode solo mérite d'être fait quand même parce que ça vous montre des bonnes idées, hein. Pas déconner quoi. Pouette, pouette. Pouette, 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 pouette. Voilà, donc ouais. Pouette, pouette, pouette. Bah tiens. J'aimerais bien faire un niveau là justement, je vois qu'on m'a envoyé un niveau. Mais pour le faire, moi c'est pareil, je vais finir le mien, là j'en ai rien à finir. Et en fait en gros j'en ai fait 3 là pour l'instant. Donc le troisième là il faut juste que je fasse un peu de déco dessus. Titi, titi. 70 secondes, c'est bien trop long. Bon après je vais vous laisser ici. Bise et à la prochaine, donc dans les prochains épisodes, je vais voir ce que je vais faire, est-ce que je fais encore du Mario Maker, est-ce que je fais un autre jeu. Alors que sur YouTube, j'avoue que je fais un peu moins de choses maintenant, vu que je fais des lives sur Twitch, donc bon. Mais bon, voilà. Allez, sur ce, bise. Mais bon, voilà, vous aurez peut-être des rediffs, justement, des lives, comme avant, hein.